vous présente cette capsule-là. Je vous présente presque la fin. On est très avancé. Vous voyez, j'ai terminé les textes en elfique sur l'anneau de Wodon. Le parchemin Faucombe est vraiment détaché. Le résultat est vraiment surprenant. Les oiseaux ne sont pas terminés parce que c'est trop fragile. Je les fais probablement demain. La tour de Sauron est avancée. Il reste une surprise. Toutes les tours ont été découpées, le nettoyage est fait, l'eau a été lissée, tout est beau, le papillon va être fait demain aussi. La tour de Saruman est terminée, les roches ont toutes été nettoyées, l'eau a été refaite. Écoutez, tout ce qui est maintenant à compléter, c'est le sablage fin, la petite finition qui sera faite sûrement demain. Vous voyez Silverbarb qui est terminé, c'est toute la petite finition. On voit par exemple que le visage est beaucoup mieux formé. On se rend compte que la barbe continue vraiment la forme du visage. C'est ce qu'on voyait dans le film. Je vous montre présentement une image 3D, ce que ça donne en volume, ce que ça donne en résultat de surface. Vous voyez que les nuages en haut à gauche sont vraiment profonds, sont très très dramatiques, et on se rend compte aussi que la tour de Saruman est vraiment vraiment bien complétée, et on voit aussi par exemple que les montagnes sont de plus en plus présentes, la profondeur est là, les murs, la partie du fond est vraiment bien placée. Quand j'aurai posé la teinture sur ces montagnes-là, elles seront encore plus détachées. C'est probablement ce qui s'en vient dans les prochains jours. Je suis très content du résultat jusqu'à présent. Je vous invite à continuer à suivre le déroulement de ce projet fantastique que je trouve vraiment, vraiment très satisfaisant. Alors, à bientôt!